Allez, salut à tous les amis, c'est Long to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Elle est Noire. Oh yeah! Voilà, c'était magnifiquement belle intro, hein, j'avoue, en tout cas ça fait plaisir de jouer à... elle est noire, hein, tout simplement. Et pourquoi on est devant comme des teubés là? Attendez, on n'avait pas fait ça? À moins... Attendez. Oula, j'ai un gros doute parce que ça fait une semaine. Attention, les mecs, une semaine. Que j'ai pas joué. Et du coup, je sais absolument pas. Attendez, on... Il fallait qu'on fouille un appartement. This could turn ugly. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Allez, viens là, sac à merde. Bon, on va refaire le combat, hein, les amis. J'avais oublié. Je suis désolé, j'ai pas regardé si la sauvegarde avait échappé. Oh! Allez, viens là, sac à merde. Contre le mur, acculé. Oh! Allez, viens là. Oh! Bon. Ah bah non, mais c'est pas... Oh, mais t'as traversé le mur. Mais mon cochon... Oh putain. Oh les mecs, screen, direct. Direct. Damn. Oh, le mec, il a fini entartré dans la commode. Oh le pauvre. Cut these sons of bitches, Phelps. Ah ouais. Bon, on a déjà fait cette séquence. LAPD, hein, ils vont se faire arrêter. Under arrest. Call for some backup, Finbar. Finbar. Donc lui c'était le copain de, bah, de la victime en effet, décédé. Et ça c'est son cousin ou je sais pas qui là. Bon, Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. I'm told. Ah non merde, c'est lui. Oh god no. C'est lui son copain, je me souviens. Where were you last night, Angel? Angel. I was here with my brother the whole... Bon, je suis désolé, je passe ça, mais en fait, on l'a déjà fait dans la vidéo, c'est pour gagner du temps. Oh putain, mais j'avais déjà fouillé. Merde. Du coup, il va me sortir sa lettre. C'est quoi? Attends, bouge ton énorme cul, vas-y, ramasse ton chapeau. Ça, il va me dire qu'on a rien à cirer, hein? Doesn't tell me anything. Doesn't tell me anything. This is probably nothing. Mais je t'en foutrais, moi, des probably nothing, motherfucker. Ici, je m'étais fait avoir, hein, il me semble. Le petit carnet sur la table, rien dans la penderie. Bon putain, j'aurais dû regarder, hein, je suis désolé. Du coup je pense que je vais peut-être prendre 10 minutes en plus, hein. Allez, à la fin. Là y'a rien, là y'a rien. Il me semble qu'on va trouver des allumettes. Ah, ah non, oui c'est vrai. Une caisse d'alcool. Caisse d'alcool. Just picked fruit market. Et ouvre-moi cette caisse. Et qu'est-ce que... Oh, voilà. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Ah oui, c'est le marché aux légumes, je sais plus quoi. Faut qu'on aille lors d'une petite visite. Voilà, les cigarettes Eldorado. Vous savez, le bar miteux, là. Bon, au moins, le barman était sympa. Il nous a filé des informations. Donc, voilà. Comme ça, on est au courant. Eldorado must be a family favorite. Ouais, c'est un truc de famille. C'est un truc de famille. Cherche pas l'ami. Putain, c'était des vieilles gazinières, les machins. Regardez-moi ce truc. Ah ben voilà, la veste tachée de sang. This will take some explaining. Bon, je suis désolé, ça en refait, hein. Je m'excuse, mais... Ouais, t'as vu? Ah oui, pfft. Il est là, il tient la manche. Ouais, super. Ah, super, super, super. Bon, ben voilà. Bah du coup, bah, maybe one of the neighbors took notice of Angel's movement. Ah non, attendez. He's got no alibi, he's toast. Y a pas un truc là, une preuve? Non. Nothing. Bon, et ben on se casse! Allez hop! Bouge ton énorme cul. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. J'ai envie. Hein, j'ai envie de le. C'est mon collègue de travail. Je le taquine si je veux. En plus, il est con comme un balai. Bon, alors elle est où la bagnole? C'est pas tout ça, mais. Ah oui, elle est devant. Faudrait peut-être que je regarde ma carte. On va essayer d'aller au marché. Vous savez, le marché de fruits et légumes. De fruits et légumes. Oh, tu vas te calmer, hein? Non, mais oh, tu parles à un. Ouais, je sais plus ce que je suis. On va aller à marché trésor du jardin, voilà, c'est ça. De fruits et légumes frais. Bon, par contre. Ouais.
Le mec passe dans les buissons. Il traverse. Allez, on est parti. Pied au plancher, Marcel. KGPL, 11K, over. C'est bon. Accident évité. On a trouvé une nouvelle lettre. Du coup, j'ai pas du tout suivi. 11K, en route. Ils ont trouvé un truc, waouh, faut qu'on retourne au central. Bah, j'ai trop de trucs à faire. From a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. Oh, ah, mais c'est encore fermé. Now we sent another. I really hate this fuck. Attends, c'est encore fermé là, this Black Dahlia guy. Have you seen the body? Fucking case just gnaws away at your guts. Attends, il y a un truc là. Et c'est une vieille peau de banane. Je suis dégoûté. Mais le problème, c'est que c'est fermé et là, on peut pas ouvrir. Et pourtant, il y a écrit open. C'est peut-être pas la même chose, non? Mais je suis deg, je peux pas aller ici, du coup. C'est fermé, il va falloir qu'on change de lieu, les amis. Mais du coup, j'hésite à retourner au central. J'ai peur que ça finisse la mission. Ah, choix difficile, que faire? Que faire? Alors, eh ben écoutez, on va se rendre à marché. Ben, j'y suis, ouais, commissariat central. Bon, on va retourner sur le commissariat central. Ils ont reçu une lettre. Hein, on va faire ça. Bon, allez, en voiture, Marcel. Ouh, jolie petite musique qui se lance. En tout cas, ça fait plaisir, je le redis, de changer un petit peu de style de jeu là, parce que là j'étais sur les 4X, les Civ-like et tout là. Je vous ai fait beaucoup de civilisations. D'ailleurs, j'ai comme un blaireau, j'ai fait une connerie. Il y a un épisode que j'ai effacé par inadvertance en croyant que je l'avais déjà monté. Du coup, bah Yanamu le mettra en tant qu'interlude hein, sur sa chaîne. Normalement dès demain, je tourne cette vidéo mercredi soir. Et voilà, hein, l'épisode 32, donc qui devait être le 33 normalement, bah, sera publié d'ici samedi ou dimanche, je sais pas. Ça dépend de Yanamu. Et nous voici arrivés à destination. Ah bah carrément, autogare, enfin voilà, hein. Et pourquoi mon collègue... Ah d'accord, ok. D'accord, downstairs. Mais downstairs, par où, Jean-Patrick? Ah bah c'est là, non, c'est pas là. Moi je suis mon collègue, hein. Tu me dépasses pas s'il te plaît, tu marches derrière moi. Ah d'accord, downstairs. Oh, il descend les escaliers, c'est bon. Bon, on peut apprécier l'intention, ouais. Bon, si seulement les pieds ne traversaient pas les marches, ça aurait été génial. Bon alors, qu'est-ce qui gueule ici? Salut les boys. Oh yo. Come on in, Phelps. Have you met Finnis Brown? Nope. Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all those fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and type from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Attendez, je vais voir ce que c'est. Ai-je changé d'avis? Vous ne jouez pas franc, j'ai pas le temps de voir. That's the message from the Celine Henry case. I've changed my mind. You will not give a square deal. Ouais, vous ne voulez pas jouer. Fuck you, BD Tex! Et c'est qui ces mecs là? Tex, je sais pas qui là. Alors, voyons voir. On a un autre document à notre disposition, voyons voir. Hip, upon amoncelle sur ton âme. Oh la vache, ça j'aurais pas pu le traduire. En vertu de cette malédiction, les œuvres du mal et que la vue du bien soit ton supplice. Tous deux infinis comme est l'univers. Et toi, et ta soul by virtue of this curse. D'accord. D'accord. Oh putain, il est sérieux. Non, mais t'avais pas le droit, Jean-Guy. Of this curse. Donc curse, c'est supplice, ouais. Tous deux infinis comme est l'univers. Et toi, et ta solitude qui est son propre bourreau. Quoique tu sois maintenant une puissante image de calme. L'heure viendra où tu apparaîtras. Putain, ça...
à vouloir lire trop lentement. Ah bon, c'est bon. Scorn track. Thigh. Je sais pas ce que c'est, THY. Thigh lagging fall through boundless space and time. Ouais. That's why we called you Wicket. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? Ouais. No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. Pah! Vieux sac. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Ouais, parce qu'en fait, on est resté aussi sur l'affaire précédente, hein, parce que bon, c'est un peu les mêmes types de crimes, comme vous avez pu le constater. Et en fait, ça a l'air d'être un gros commenté. Pour l'instant, on a coffré quasiment tous les compagnons des victimes. Bon, il y en a, c'est sûr qu'ils avaient des attitudes plutôt suspectes, hein, il faut l'avouer. Mais il y a Anguille sous roche quand même. Anguille sous roche, voyez-vous. Alors, c'est toi, vieux sac. On va s'expliquer. Improved your attitude, Angel. What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Alors, Angel Maldonado, mari entre parenthèses séparé de la victime Antonia Maldonado. Dernier contact avec la victime. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. Alors, voyons voir ta tête. Tu m'as l'air un petit peu actif là. Oula, t'es stressé là. Là, t'es un petit peu stressé. Alors, voyons voir les preuves qu'on avait fait personnelles. Clé, notif, note à motif en pointillé, carte de la bibliothèque. Bracelet sur la fenêtre brisée, piqué en fer, papier de divorce. Ok, bon. C'est doute. So if you didn't kill your wife, c'était who faux. Did? You better come up with something, Angel. Okay. This doesn't work. Là, j'ai un peu les boules parce que. Fuck you! I loved my wife. Bon, première erreur, les gars. You murder your wife and you just sit there. Alors toi, tu vas la fermer parce que tu vas tout faire capoter, mon chéri. Oh fuck! Merde, ça m'énerve de commencer avec une mauvaise réponse. Bijoux pris sur le cadavre. We found your wife. Her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Mais regarde-moi ça, putain, mais je sais pas s'il dit la vérité. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai tapé sans faire exprès la manette sur le bureau, là, ça m'a changé les touches en haut, je sais pas si vous avez vu. Putain, il a l'air stressé, il a l'air choqué, le pauvre. Bon, enfin, le pauvre, il a quand même cherché, hein, attention, hein. S'il voulait me frapper, c'est qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Les bijoux. J'hésite à prendre un point d'intuition, mais le mec. Bon, il tourne pas la tête, mais au niveau de ses yeux, je sais pas si vous avez remarqué. Mais voyez, regardez, hop. Déjà, il déglutit, hein, plutôt pas mal. Et en plus de ça, là, regardez son regard. Il est pas serein, le mec. Il est pas serein. Mais il peut quand même dire la vérité, hein. Ce serait pas faux. Mais du coup, là, voyez, attention maximale. Que faire? Utiliser le point de. Oh, putain. Mais est-ce qu'il est traumatisé, là? Ah, ça m'énerve. Allez, je vais utiliser le point d'intuition, mais. Ah, oh, c'est salaud. Évidemment, je suis dans cette situation, les gars. Ah, oh, je sais pas. Non, je sais pas, là, clairement. Regardez, parce qu'il est un peu stressé, mais...
What about the charm bracelet? Was she wearing that? Vérité, les mecs. You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Procédure de divorce. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Bon, ça c'est une grosse connerie, parce que voyez-vous, papier de divorce, motherfucker. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nigh sigh. She pushed you too far, and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. Divorce. Ça c'est marrant, c'est dit comme ça en anglais. Divorce. Papier divorce. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. And she ran out. That's the truth. Eh bien... What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Chemise recouverte de sang trouvé. Pourquoi il lui demande sa pointure? Ah oui, bah oui, je suis con. Attendez, voir les preuves. C'est combien déjà la taille des chaussures du... On suppose. Bon, chemise recouverte de sang trouvé. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Ah ouais, bah putain. Eh bah tu, hey, putain, tu t'es coupé la jugulaire, mon pauvre. Je sais pas ce que t'as fait en 13 ans, mais... Je me suis loupé en 13 ans, c'est pour ça que ma chemise est devenue rouge entièrement, tu vois. Bon, j'ai touché une artère, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Allez, hop. Oh, c'était faux. Hippolyto's my brother. But he would never lie for me about killing Antonia. Oh, he knows he'd go to hell for that. Ha, 2 sur 4. Bon. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether putain, you have anything else quatre, you need to share. Putain, 2 sur 4, j'aurais pu faire mieux là. Ah, ça m'énerve. Nya. Nya, 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 nya. C'est pas bien. I'm thinking of moving up to a 45. Ouais, ton 45, là, je sais pas ce que tu veux, mais bon, hein, tu vas te la boucler tout de suite. Bon, l'affaire n'est pas bouclée, fort heureusement. On va pouvoir repartir en voiture. Oh, presque en même temps. Allez, vas-y, collègue, en voiture, monte. Lieu. Donc, le commissariat, c'est fait. On va essayer de retourner. On va juste retourner au trésor machin. Donc, je suppose qu'il y a vraiment une heure précise pour y aller, mais je veux voir. Allez, en voiture, mon coco. Sauvegarde en cours. On va tourner prochaine à gauche. Ouh! Allez, encore une. Ouais, non, je vais pas faire d'affaire. Je vais me concentrer sur. On en fera peut-être une un jour. Hein. Je vais me concentrer sur l'histoire principale parce que je vais le terminer ce jeu. Là, si j'avance pas, c'est juste. Ouah! Oh! Eh, ce pilote. Quel pilote! Rien ici, c'est quoi? Il y a un mec qui garde. Attendez, on va tourner là-bas. Excusez-moi, oui, je conduis. Ah, voilà! Marché trésor, est-ce que c'est ouvert? Ah, c'est ouvert! Putain, j'ai flairé le bon moment, les gars. J'ai flairé le bon moment. Yo, bitch! Cheese! Absolutely fireproof. Juste derrière la magnifique pancarte absolutely fireproof. Are you Friday night? Eh ouais. We should go out afterwards. Salut demoiselle. Vous avez toutes les mêmes robes dans ce pays. Oh, quelle belle carotte. Magnifique, une pastèque. Eh, brave homme. On se connaît, non? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Putain, le mec à la tête d'un gars, d'un chanteur d'un groupe que j'adore,
qui est pas connu du tout, enfin qui est pas très 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 connu. C'est choquant. Ah, ça me perturbe. Contact avec la victime. The young lady arrived around midnight. Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Oula, ouh, ça pue. Mais attendez, ce mec, il est connu. Je suis sûr qu'on dirait. Putain. Oh, ça m'énerve. Dommage qu'il n'y ait pas de Shazam. Tu sais, c'est un Shazam. On filme la tête d'un gars, hop, ça vous dit qui c'est. Ce serait énorme comme concept. Putain. Pourquoi ils font pas ça? Oh, ce serait génial. Concept à la Shazam. Où on prend en photo un mec. Mais ça doit exister, hein, sûrement ça doit exister. C'est juste que je suis pas au courant. Kellogg's Cornflakes derrière, magnifique. J'ai quand même envie de voir le carnet. Motif, bracelet, fenêtre. You already knew, ouais, Mrs. C'était doute, c'était doute. Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Déplacement de la victime. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Can you describe the car? Vérité. Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Merci. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? L'autre, il a affalé là comme une merde. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Oh! Oh! Oh, la violence. C'est parti pour les fouilles. Putain, mais alors toi, t'es vraiment, mais vraiment le dernier des gros sacs. T'es pire que Yanemu, putain. Bon, mais y'a rien dans ce pays, là, de toute façon, dans ce, hein, dans ce truc de merde. Qu'est-ce que tu veux, à part des carottes, des... Y'a rien. Peut-être dans les poubelles. Dans les poubelles. Les poubelleux. Les poubelleux. Non, mais je vous jure, y'a rien dans ce pays, là. Pff. Bonjour, demoiselle. Ah. J'en ai rien, Anna. Alors, quel mot le plus poli, je pourrais... Le plus poli, entre guillemets. Bon, je vois pas. Un carré, voilà. J'avais que ça dans la tête. Je suis désolé, hein. Vidéo interdit au moins... Putain, qu'est-ce qui t'arrive? Face à face avec le mur, t'as un problème, mon chou? Mais qu'est-ce que tu me... Ah, mais oui, il faut aller là-bas. Putain, moi, je me fais chier. Attendez, on sait jamais. Là... Ok, d'accord, je dis ça au moment où la musique s'arrête totalement. Mais cours, crétin! Putain, mais t'es payé pour quoi? T'es payé pour quoi? Y'a forcément un truc ici, c'est glauque, y'a rien. Y'a rien. Nothing, probably nothing, y'a juste des bananes. Alors, ici ça pue. Ouais, c'est bon, calme-toi, Jean-Guy, pète pas la porte. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Tu crois que j'ai pété la porte? Pourquoi, toi? Ah, ça sent mauvais. Oh, ça sent mauvais. I cut someone who was already dead. Un couteau couvert, enfin scalpel couvert de confiture de framboise. Ah, la victime avait faim. Enfin, la victime, le suspect avait faim. Un scalpel avec de la confiture de framboise, oui. Et un cric. Non, c'est pas... Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis teubé. Un cric, c'est pas ça, n'importe quoi. C'est une clé, je sais plus comment. En outil... Pff, je sais que c'est une clé, mais je sais plus une clé de... Bon, tu vas me dire quelque chose, Michel? Non, t'en as rien à foutre? Cric, c'est pour soulever la voiture quand on veut changer la roue en cas de crevaison. So what are we hiding in here? Ah, il y a des vestiges. This thing needs a combination. Attendez, preuve, indice. Ah, ça j'aime bien là quand on. Ça on avait pas eu depuis le début du jeu de devoir revenir à ces preuves. C'était où? Voilà, voyons voir. 2, 5, 3. Voilà. Et... Oh yeah, pas mal l'animation. Donc 2, 5, 3, j'ai dit. Comment je fais? Non.
Non, oui. Voilà. 2, 5, 3. Oh! Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'église qui est son. Wouah, c'est quoi ce truc? Mon dieu, c'est quoi ce truc misogyne à souhait? Enfin, si je puis dire. Bon, la Vierge, je suppose. Des mains pour. Ouais, d'accord. Et. D'accord, mais. Qui est son corps et. Dont il est le sauveur. D'accord, mais là, ça me. Et le collier au-dessus? Non, ça fait rien, j'ai l'impression. Attendez, je vais être sûr. J'ai pas envie de louper des preuves. Oh putain, il est déjà cette heure-là. Oh ouais, les amis, je tourne le soir là. Parce que bon, je suis rentré assez tard. Bon, this fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Et le mec a déjà sorti un fusil à pompe. Reviens là, ma chérie. Oh, le pick-up. Très mauvais choix, mon ami. Très mauvais choix. Très mauvais choix, je vais te rattraper. Avec ma voiture fusée immatriculée au 1C0. Allez, viens là, ma salope. Pardon. Qu'est-ce que j'ai? Quoi? Je suis désolé, hein, pour ma vulgarité. Mais qu'est-ce que tu... Attends, mais le mec se jette sous... Ah, attendez, j'en ai mis. Le mec se jette sous ma voiture. Je suis désolé, je vous connais en... Oh. Bon, bref, vous avez compris. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Statut juridique des entreprises, machin. Là, je connais quelques petites astuces. Et si j'étais, ici, j'étais sur blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Waouh, le mec téléguidé le. Putain, c'est quoi ici? Belt. We gotta get closer. Bah ouais, attends. It's almost too perfect, isn't it? Allez. There's no such thing as too perfect. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a un téléguidage de la voiture. Clean this asshole off the road. Allez. I'll try to shoot out the tire. Coffre. Wish me luck. Bah vas-y, flingue ses roues. Putain, mais... Eh, mais alors ce mec, monsieur... Oh, l'alcool, c'est pas bon pour toi, mon gars. Allez. Bah ouais, genre... Oups. Excusez-moi. Sors de là, Makai, ça va, mon poulet? Sors de là. Putain, il est haut. Oh, comme une merde. Viens par ici, mon salaud. Ils sont beaux, les mecs, ils croient. You're a sick man, Clem. You need help. Vous êtes malade? Outstanding job on this. Oh, le mec! Putain. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Bon, bah c'était lui, j'aurais pas eu le temps de... On your way. J'aurais pas eu le temps d'aller... aller classer l'affaire? Putain, le mec il... Oh le gars! Sérieux? Oh les mecs, eh non, mais ça va être reporté, hein. Non mais direct. Ça va être remonté, les gars. 15 indices sur 17. Question correcte, 9 sur 11. Eh les gars, j'ai géré. Dégâts. Wouah! Wouah! 310! Vu la quantité d'alcool dans la réserve de Clem, il paraît impensable de ne pas l'avoir pris sur le fait à l'Eldorado. Comment ça? J'ai pas trop compris. Bref, magnifique, affaire classée, 4 étoiles, remarquable. Eh bien les gars, on va se quitter là-dessus. Enfin les gars et les filles. Hein? Enfin je veux dire tout le monde quoi.
cher viewer. Voilà. On va se faire. Zars, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is a Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three! Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Ah. Ah, notre ami Phelps en campagne au Japon, apparemment. Enfin, je sais pas si c'était au Japon exactement. The White Shoes Line, la belle clochard. Ah, j'adore la musique. Oh, c'est quoi ce mec? T'es un peu bourré sur les bords, toi t'as un gros pervers, t'es un gros maboule. Good morning, gentlemen, and what a good morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Ok, ben les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter juste avant de mener l'enquête. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires pour notre détective du bonheur Phelps. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. À qui je vais changer son costume dans le prochain épisode. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.